Salut passé les captains, Emmanuel de Captain Dev. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais t'expliquer combien me rapporte ma chaîne YouTube. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai 12,9 000 abonnés. Donc 12 900 abonnés. Au moment où tu verras cette vidéo, ça fera peut-être 13 000, on l'espère. Je vais te dire un peu combien ça me rapporte. Est-ce que c'est rentable Et je vais te détailler aussi toutes les métriques et tout ce qui rentre en ligne de compte pour eh ben, générer de l'argent sur YouTube. Alors n'oublie pas de rester bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais aussi te donner un conseil euh, sur comment évaluer les revenus publicitaires d'une chaîne. Tu verras, ça peut être intéressant. Alors, quand on parle de monétisation YouTube, il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Tout le monde ne peut pas monétiser une vidéo sur YouTube. Il y a certaines règles à respecter, et la première, ça va être d'atteindre les 1000 abonnés. Ça, c'est une règle qui est assez récente, ça permet d'éviter de lancer n'importe quelle chaîne comme ça et de monétiser euh, son contenu. Deuxième règle, il faut avoir atteint les 4000 heures de visionnage sur les 12 derniers mois. Donc il faut que sur l'année dernière, sur les 365 jours écoulés, tu aies cumulé 4000 heures de visionnage. Donc ça, c'est les deux critères pour pouvoir euh, prétendre à la euh, monétisation. Et après ça, une fois que tu as atteint ces paliers, tu peux activer la monétisation en utilisant ton compte AdSense. Alors, une fois que c'est fait, on va voir deux métriques principales que je vais expliquer un peu dans le détail pour que tu puisses comprendre ce que ça représente avant que je te donne les chiffres de ma chaîne. Juste avant, ma chaîne, elle a atteint les 1000 abonnés, c'était environ, je crois, le 17 janvier 2020. Aujourd'hui, on est en fin novembre. Les 4000 heures de visionnage, je les ai atteints bien après, je les ai atteints début avril. Donc, tu vois, il peut se passer un laps de temps avant que tu cumules les deux euh, métriques nécessaires. Du coup, j'ai fait toutes les démarches et la monétisation a été activée début juin 2020 sur mon compte. Alors, les démarches en elles-mêmes ne sont pas très longues, mais après, tu dois activer ton compte. J'avais un peu traîné, j'y voyais pas trop l'intérêt. Maintenant, c'est fait. Alors, les infos que je vais te donner, elles viennent de la doc YouTube, hein, donc j'invente pas ça de nulle part, je ne sors pas ça de mon chapeau. Je t'explique vite fait ce que sont euh, le CPM et le RPM, et après ça, on passe dans mes analytics. Alors, les deux métriques dont on va parler là, CPM et RPM, c'est des métriques qui sont ultra relatives à euh, l'audience qu'on cible et à la niche dans laquelle on exerce ou on crée du contenu. Donc, c'est pas la peine de te dire, OK, si je lance euh, une chaîne que je fais tant de vues, je vais avoir les mêmes CPM et les mêmes RPM que Captain Dev et je vais faire autant d'argent, c'est pas comme ça que ça marche. C'est quelque chose qui est ultra dynamique qui change tout le temps. Et du coup, les chiffres que je vais te donner sont relatifs à mon audience, à la taille de ma chaîne, au nombre de vues que je fais à un instant T. On commence avec le CPM, le coût pour 1000 vues. Je te mets la formule un peu mathématique, ça ça te parlera si tu as fait un peu de pub déjà dans ta vie. C'est le coût de la campagne publicitaire divisé par le nombre d'impressions, et on fait tout ça fois 1000. Donc concrètement, là je vais te lire la page, je te la mets à l'écran. Le coût pour 1000 impressions est une statistique qui représente le montant dépensé par les annonceurs pour diffuser des annonces sur YouTube. Autrement dit, il y a des gens qui payent pour euh, placer des pubs à l'intérieur de nos vidéos ou des vidéos YouTube pour en général. Et ils vont avoir un coût pour 1000 vues, euh, 1000 impressions de pub qui va être fixé par la plateforme. Plus ce coût est intéressant, plus il est bas, plus ils vont pouvoir injecter d'argent dans le système. Alors, le CPM, c'est une métrique qui est vachement orientée annonceur. C'est toutes les personnes qui vont vouloir acheter de la pub et placer de la pub sur YouTube. Pour ça, ça comprend toutes les vues monétiser et pas le reste. C'est-à-dire que si euh, je fais une vidéo à 1 million de vues mais que j'ai que 1000 vues de pub, euh, le CPM prendra en compte que ces 1000 vues de pub là. Bien sûr, si euh, tu touches des utilisateurs qui ont des YouTube Premium, donc c'est un abonnement que tu payes 10 euros par mois, le coût va être calculé sous forme de royalty, je rentre pas dans les détails. Ce qui va nous intéresser, nous, en tant que créateurs de contenu, ça va être le RPM, le revenu pour 1000 vues. Pareil, dans la doc YouTube, le revenu pour 1000 vues ou RPM est une statistique qui représente la somme d'argent générée par milliers de vues de vidéos. Il est calculé sur la base de plusieurs sources de revenus, y compris les annonces, les souscriptions aux chaînes YouTube Premium, les messages Super Chat et les Super Stickers. Si tu ne sais pas ce que c'est un Super Chat ou un Super Sticker, c'est quand je fais un live, il y en a qui peuvent donner de l'argent, et en fait, ça va inclure ce revenu-là. Ok, maintenant, il est temps d'aller voir un peu les chiffres de la chaîne Captain Dev parce que... C'est bien joli de parler d'argent, mais on est venu pour voir vraiment combien il gagne. Je charge mes analytics. Bon, là, j'ai des bonnes stats en ce moment, c'est pas trop mal. Et voilà, là, on est euh, sur les 28 derniers jours à 240 euros euh, de revenus publicitaires. Donc là, c'est bien du RPM hein, sur mon channel. Donc, ça, c'est un chiffre. Alors, tu vas voir qu'après, on va le mettre en perspective et tu verras que bah, c'est pas si intéressant que ça pour l'instant. Là, tu peux voir directement sur l'analytics que j'ai un gros pic. Euh, j'ai une journée à 75 euros. Ça, c'est la fois où j'ai été mis en avant par euh, la, la campagne de pub marketing de YouTube qui fait que j'ai eu quasiment 8000 vues dans euh, la journée, ce que je ne fais jamais. Et en fait, c'est cette vidéo-là, l'épisode 1 du DevLog, qui a été mise en avant et qui m'a rapporté de l'argent. Donc ça, c'est les revenus pour les 28 derniers jours, donc c'est quasiment un mois. Si je regarde sur le mois de novembre on est à euh, 204 euros. Et tu vois bien que le pic, là, on va bientôt le passer, euh, parce que c'était le 1er novembre, ce qui fait que euh, je vais avoir des revenus bien plus bas. Euh, alors attends, si j'essaye de faire période personnalisée et que je vire, euh, hop, je vais mettre à partir du 3 novembre, j'applique, et là, tu vois, on est beaucoup plus proche de mon revenu moyen, sachant que je tourne cette vidéo, on est le 25 novembre. On est beaucoup plus proche de mon revenu moyen par mois. Je vais te donner un autre exemple. En, au mois de septembre, j'ai fait 165 euros euh, de revenus publicitaires. Donc ça, c'est un mois un peu plus classique. Et là, récemment, ça avait un peu augmenté. 237 pour le mois d'octobre. Là, on a un gros pic. Et pareil, le 12 octobre, j'étais dans la campagne, euh, de, dans la tendance YouTube. Donc ça m'a permis d'être mis en avant par la plateforme aussi. Donc pareil, ça, c'est aussi un mois un peu anormal. Ok, on va regarder un peu les stats sur euh, 90 jours et voir ce que ça donne. Alors sur 90 jours, YouTube m'a rapporté 629 euros euh, de revenus publicitaires. D'ailleurs, je vais passer dans l'onglet revenus, ça va être plus parlant. Donc là, en fait, on peut voir les deux métriques dont je te parlais tout à l'heure, le RPM et le CPM. Donc ça, c'est euh, des revenus qui sont, euh, qui sont assez intéressants. On va pas cracher dessus, mais ce n'est pas un truc dont tu pourras vivre. Tu peux pas te dire j'ai une chaîne à 12 000 abonnés, 13 000 abonnés, et je peux en vivre. Si je passe depuis toujours, on est aujourd'hui à 1044 euros. Et euh, on voit bien les deux pics là, hein. ça c'est deux euh, mises en avant de YouTube, c'est pas moi qui les ai faites, donc ça m'a rapporté un peu d'argent. Et la vidéo qui m'a rapporté le plus d'argent, c'est le Devlog épisode 1, euh, avec 137 euros. Juste derrière, il y a ma vidéo sur toute mon histoire, mais l'évolution de mon salaire, elle m'a rapporté un peu moins de 100 euros. Quand tu te rends compte aussi du temps que tu passes à créer une vidéo, qui peut être... Bah, entre 1 et 2 jours de taf en moyenne, tu peux remettre un peu en perspective ce que ça rapporte. Donc si je dois calculer le revenu moyen depuis la monétisation de 1044 euros, alors que, sachant que la monétisation, elle est arrivée début juin, on est sur aux environs de 6 mois, ça me fait 174 euros mensuels euh, de moyenne. Sachant que à cause de ces deux pics, euh, cette moyenne-là va avoir tendance à baisser euh, dans les mois qui suivent. Et si je remets sur euh, depuis le début de ma chaîne, c'est-à-dire ça fait 20 mois, ça fait 20 mois que ma chaîne est créée, ça me fait un revenu moyen de 52 euros en termes de revenus publicitaires. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que attention, ce n'est pas directement dans ma poche. Étant donné que j'ai une société, si je veux me le verser en salaire, il faut encore diviser tout ça par deux, minimum. Donc voilà, ne faut pas croire non plus que tu peux euh, te verser cet argent-là comme ça, quand bien même tu serais auto-entrepreneur, tu serais obligé de te payer des charges dessus tu ne pourrais pas l'avoir directement dans ta poche. Et si tu n'as pas d'entreprise, que tu as des revenus publicitaires, euh, ou que tu n'es pas déclaré en tant qu'auto-entreprise, tu es dans l'illégalité. Voilà. Revenons-en à notre, c notre RPM et notre CPM. Donc là, j'ai les coûts moyens euh, depuis toujours, et on voit bien que c'est des coûts qui évoluent. Donc là, mon CPM global, il est à 9 euros pour 1000 vues de publicité. Attention, hein, ça, c'est les lectures monétisées et euh, ce que me rapporte 1000 vues aujourd'hui sur la totalité de mon channel depuis le début, c'est 2,60. Donc quand tu vois que je fais des vidéos euh, qui pour la plupart euh, ont une la bonne moyenne en ce moment, c'est entre euh, 1000 et 5000 vues et j'en ai quelques-unes qui sont au-dessus. Tu te rends bien compte que euh, je vais pas vivre de YouTube tout de suite, mais c'est pas grave, je ne suis pas forcément là pour ça. Et donc, si je reviens un peu sur des, des stats un peu plus récentes, sur les trois derniers mois, donc sur les 90 derniers jours, mon CPM, il est un peu plus élevé et mon RPM est deux fois plus élevé quand même. Donc, c'est quand même c assez euh, encourageant parce que c'est des choses qui peuvent un peu évoluer vers, à la hausse, étant donné que je n'ai pas fait une année complète. Hop, et si je reviens sur 28 jours, là, on voit que c'est plutôt stable. Euh, donc, on reste à. 5,29 et 11,24. Et sur 7 jours, 7 jours pareil, on est plutôt stable. Donc ça, c'est un peu le RPM que euh, je devrais viser. Sachant que quand on parle de monétisation, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. Alors, je te prends ma dernière vidéo. Elle est actuellement monétisée. Je vais aller là dans l'onglet monétisation. Alors, tu peux choisir les pubs. Euh, tu peux choisir le type de pub que tu vas souhaiter montrer sur ta chaîne. Alors attention, quand je parle de type de pub, tu ne vas pas choisir euh, bah, si c'est une pub pour Nestlé, Coca-Cola ou NordVPN. Tu vas juste choisir si tu la veux en support position, en display, désactivable ou non. Tu peux aussi choisir euh, de l'avoir dans ce qu'on appelle pré-roll ou mid-roll. Ça c'est quand en fait euh, bah, on te met une pub par exemple juste avant que la vidéo commence, ou pendant ta vidéo, ou après la vidéo. Donc pré-mid-post. Alors pour les, les annonces mid-roll, tu peux aussi choisir et décaler le moment euh, pendant lequel apparaît la pub. Euh, si tu es en plein dans une phrase hyper intéressante ou ton audience est ultra captivée, ce serait judicieux d'attendre le moment juste après pour pouvoir placer ta pub correctement. Maintenant tu dois peut-être comprendre pourquoi beaucoup de youtubeurs cherchent à monétiser, à vendre autre chose ou à sponsoriser des vidéos. Parce que la vérité, elle est que tant que t'es pas un gros youtubeur, tu peux pas du tout en vivre et pourtant tu vas devoir mettre... Des heures et des heures, des centaines d'heures de travail pour créer du contenu. J'ai vraiment pas ça pour me plaindre. Moi, c'est une situation que j'ai choisie. Euh, je l'assume totalement et je vais continuer de créer du contenu. Alors, si tu as envie d'en savoir un peu plus sur la monétisation, il y, y a un site qui s'appelle Social Blade. Social Blade, en fait, c'est un site qui te propose des analytics qui va venir scraper toutes les chaînes euh, un peu du monde, quasiment. Et ça va te permettre de voir un peu l'évolution, les statistiques d'une chaîne en particulier. Donc sur ma chaîne on peut voir bah, l'évolution euh, du nombre de vues, du nombre d'abonnés, t'as tout un tas de statistiques qui sont assez utiles si tu veux un peu évaluer tes concurrents, tes concurrents ou même euh, parfois essayer de trouver quelle vidéo les a fait buzzer. Et donc là on peut voir que sur Socialbed, bon, j'ai un score qui est C, qui est vraiment pas mal, moi j'estime. Finalement, avec 12 000 abonnés dans une niche aussi petite que le développement web francophone, je suis assez bien placé, je ne vais pas me plaindre. Euh, bien sûr, il y a des chaînes plus grosses, c'est normal. Mais euh, c'est une thématique, le dev, qui ne peut pas atteindre les millions d'abonnés en dev francophone. Euh, pour l'instant, c'est juste pas possible. Il n'y a que les thématiques un peu plus grand public comme les Squeezie et compagnie qui arrivent. Et même au-dessus de 100 000 abonnés en développement francophone, il y en a très peu. À part Graphic Arts, j'en connais aucun. D'ailleurs, si t'en connais d'autres, n'hésite pas à en parler euh, dans les commentaires. Et donc, Social Blade, voilà, j'ai tout un tas d'analytics. Et le seul truc dont on va parler là aujourd'hui, ça va être euh, les revenus estimés. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Social Blade, alors ils sont plutôt forts. En général, on est dans une bonne moyenne entre les deux. On est quasiment entre les deux. Alors là, je sais qu'entre 11 euros et 178 euros par mois, c'est assez large, comme diraient certains, c'est une fourche. Mais euh, globalement, on est plutôt dans les clous. Et je pense que mon revenu moyen euh, pendant très longtemps a été aux alentours de 70 pendant 2-3 mois était aux alentours de 70 euros. Donc euh, sur l'année, avec le temps, Social Blade est vraiment euh, assez efficace entre guillemets à prévoir une fourchette. Il faut estimer que c'est au milieu. Donc là, tu pourrais dire OK, bah du coup, je vais aller voir qui gagne quoi. Ça, je te laisse faire. Moi, je m'en fous un peu. Je suis pas là pour ça. Donc voilà. Le but c'était vraiment de te dire et de t'expliquer bah, comment ça fonctionne les revenus YouTube. N'hésite pas à mettre en commentaire bah, si t'avais deviné ou pas, et euh, si t'avais pas deviné, si tu t'étais trompé, combien tu pensais que je gagnais en revenus publicitaires YouTube. Juste avant qu'on termine cette vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur mon canal Telegram. On est déjà plusieurs centaines, j'envoie du contenu assez régulièrement, des trucs hyper spontanés. Bien sûr, il y a les emails privés si tu as envie d'avoir. Euh, un contenu un peu plus condensé une ou deux fois dans la semaine et demain je ferai une session questions réponses avec les abonnés Telegram pour pouvoir parler un peu de création de contenu pour les développeurs parce que je prépare aussi une vidéo dessus. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu et moi je te dis à très bientôt sur Captain Dev. Ciao.